Coucou bande de fous, c'est Biklous pour une nouvelle vidéo sur Burnout Paradise. J'espère que vous allez très bien, moi ça va merveilleusement bien comme hier. Comme toujours, hein, évidemment, on essaye de rester au top de la forme pour vous, pour vos yeux ébahis. Donc voilà, voilà, j'espère que vous avez passé un bon mercredi, jeudi, ouais, une très bonne semaine, quoi, voilà, une très bonne journée. Et puis voilà. Alors la dernière fois, on s'était quitté sur l'acquisition de cette fastback spéciale, donc qui est la version up, la version au-dessus de la fastback. Donc c'est la fastback spéciale avec tous les feux qui marchent. Celle-là passe au contrôle technique, au moins. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et elle a un superbe aigle sur la carrosserie. Et je l'ai peinte en rouge nacré orange, à peu près. Et je me suis crashé. Génial. Et certains sauront, parce que d'origine, sa couleur n'est pas comme ça. Sa couleur est bleue. Et c'est la première finition. Oh putain. Et certains vont connaître la référence. La référence qui est. Je cherche mes mots, ça va pas. Qui est. Funky Cops. Alors Funky. Wow. Funky Cops. Funky Cops, c'est mon enfance. C'est l'enfance de plein de gamins, à mon avis. Hein. Si je vous demande qu'est-ce que c'est, il y en a qui vont connaître. Même si c'est super vieux. Enfin, voilà quoi, c'est super génial. C'était une très très bonne série. C'était une série animée. Donc je vous raconte l'histoire vite fait. C'est l'histoire de deux flics. Dick et l'autre. Ah putain, je sais plus. Je sais que l'afro il s'appelait Dick. Parce que évidemment, Dick en anglais, ça veut pas dire. C'est pas le prénom. pilote, je sais plus comment il s'appelait. Mettez-le aux commentaires si vous le savez, moi je me rappelle plus. Et c'était une série, c'était deux flics à San Francisco, ça se passait dans les années. Ça se passe dans les années 80 environ. 80-2000, enfin c'est la fin des années 80. Quoi. Et les deux mecs sont des flics et se baladent en. Ils se baladent en Pontiac Firebird, le premier modèle avec les phares. Et cette série elle est géniale, quoi. C'est une des meilleures séries animées que j'ai jamais vues. Elle est vraiment bien. En tout cas, moi j'aime bien. C'est rigolo. C'est pour tout âge. Il n'y a pas trop de violence, donc ça va, quoi. C'est une bonne série. Et le mec sur sa Firebird, il avait l'aigle que t'as d'habitude d'origine sur les Firebird, dont le nom Firebird, ça veut dire oiseau en feu. Et là, ils ont voulu faire un peu le même style. Et je trouve ça vraiment joli, je trouve. C'est vraiment pas mal. Et je l'ai peinte en rouge parce que voilà, c'est l'hommage. Dommage. Est-ce que je vais réussir à faire un tonneau? Est-ce que je vais réussir? Non, mais j'ai pris la. Oh putain. J'ai pris la rampe en entier et je me suis crashé. Génial. Oh putain! Qui c'est qui me ramène? Attends, demi-tour. Ah putain, puis sur un message! Mais non, mais mec! Putain. Ah, c'est la loose aujourd'hui. Est-ce que je vais réussir à les rattraper? Oh oui, c'est bien parti. Je fais ça pour. Voilà, un burn-out. Ouh, j'aurais pu faire un takedown vertical, ça aurait été très très beau. Oh là. Oh lui. Oh putain. Oh putain. Ça sort de partout. Ça sort de partout. Oh putain. C'est épique. Ah, puis là, le boost, je le tiens depuis un bon moment. x4. Et voilà. Très bonne voiture, un très bon maniement.
C'est très 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 très. C'est une bonne voiture, je trouve. J'aurais cru qu'elle est. La Carson, un Bennett Grande Marée, roule maintenant dans Paradise City. C'est une voiture de si mafieux. Si tu la vois, fais-la s'arrêter pour l'ajouter à ta collection. C'est une putain de voiture de mafieux. On va aller récupérer la petite voiture, la petite Eldorado, le Hunter Manhattan que je suis allé, que j'ai personnalisé hors caméra. Bah oui, j'aurais pu prendre le panneau, merde. En plus, celui-là, je vais pas le rater. Voilà. Aujourd'hui, j'aurais pensé faire que quelques défis route. Ouais, tout est fait ici. Alors, chrono, showtime. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Ah ah, j'ai rien fait en fait. Ah si, Marraine Avenue et Gérald Drive. Gérald Drive. Non, je vais vous montrer la Manhattan d'abord. Elle est très jolie la Manhattan. Alors, d'origine, elle est rose. Et je l'ai repeinte d'une couleur. Parce que, comme qui dit voiture épique, dit peinture épique, évidemment. Juste 2 minutes, je réponds à Smusmus. Bien. Si j'oublie un mot, c'est pas, ça va pas le faire. Tac. Alors, si vous écrivez un SMS et puis que vous oubliez un mot, ça n'a complètement aucun sens. Bon, là voici, la voilà. Donc, la Hunter Manhattan qui, d'après le jeu, devait être débloquée avant la phase back. Et voilà, alors il y en a plein qui vont reconnaître encore cette référence. Hein. Qui dit voiture exceptionnelle dit peinture exceptionnelle. Et celui qui devra poser le cul sur ce siège à l'intérieur de cette voiture sera un Saints. Voilà, de Saints Row. Donc voilà, voilà, je n'ai pas le jeu Saints Row. Mais je suis très fan de ce jeu, j'y ai déjà joué quelques heures. Et j'ai adoré quoi. Enfin, j'ai suivi le let's play, enfin, le playthrough de Fanta et Bob sur Saints Row 3. Celui de Galax, je sais pas si vous connaissez Galax 42, très très bon youtubeur. Il est sur la Gaming Room d'ailleurs. C'est une chaîne, je l'ai vu passer. C'est une chaîne de live. Voilà, pour une chaîne pour des lives en direct et tout le bordel. Alors, et il a une chaîne Twitch aussi. Donc, voilà, alors, il fait essentiellement de la simulation. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs. Et il a une deuxième chaîne aussi pour tout ce qui est jeux vidéo normaux. Donc voilà, voilà. Va au sud-ouest jusqu'à South Bay Naval Yard. Leur tourne. Eh, n'empêche, elle est super classe en couleur des Saints comme ça. Sérieux. Elle est juste géniale. Oh, je sais par où je vais passer. Comme c'est une type cascade. Faire des cascades. Ah, je. Ah, ah, je regarde mon téléphone et on se crache. La chibouzouk. Vite, mon code. Tac. Voilà. Oh là là. Tic tac, tic tac, tic tac. Oh, puis le croc. Ah, bug. Bug, 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 bug. Le clignotant n'est pas bien placé. Peut-être parce qu'on roule. Que je l'ai pris en drift, mais. J'ai vu, le clignotant n'était pas bien placé, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas acceptable de la part de Criterion, hein, moi je vous le dis tout de suite. Parce que, je vais le dire beaucoup de fois, hein, ce let's play, même si c'est la première fois que je le dis. Ah ouais, il y a un bug au niveau du... Bon, ce jeu regorge de bugs, hein, faut juste le trouver. Surtout le bug de texture aussi. Ouais. Dans le mode en ligne. Je vais arrêter de dire mode online parce que c'est GTA 5 qui dit cette habitude de dire ça. Mais ah, j'aime bien. Mais voilà, il faut juste les voir. Puis même, c'est pas, à mon avis, c'est parce que c'est le mode en ligne et puis que comme il y a beaucoup de monde sur les serveurs, tout ça, ça bug un peu, le jeu ralentit un peu. Donc c'est tout à fait normal. Finish him. Alors là, c'est complètement. Moi, je trouve que c'est vachement classe. Avec la couleur comme ça,
j'allais dire orange, putain, le daltonien, quoi. En couleur purple, non, mauve, voilà. Mauve sense, ça fait très bien. Oh, garé. Bon, puis avec les roues qui tournent comme ça. Oh putain. T'es un super pilote. Tu as réussi ce parcours Burning. Une Hunter Manhattan Custom va pouvoir compléter ta collection de voitures. Génial. Génial, génial, génial. Voilà, puis ça repart. J'espère que la Manhattan Custom... Tu vas vite, mais tu ne peux pas te cacher. Oh. Quand tu es traqué, t'as plus de chance si tu as une caisse rapide et un garage pas loin. DJ Diabolica pour Crash FM. On s'en fout. On s'en fout, tu vas pas aller te cacher pendant une track, sérieux. C'est pas l'objectif. Tu traces et puis voilà, quoi. Oula. Je vous laisse lire le petit truc en dessous. Moi, je réponds à des messages, hein, parce qu'il faut toujours répondre à des messages. Voilà, c'est quand c'est important, faut toujours. Ah, c'est fini. Le mec, il fait autre chose en attendant. Non, c'était pour me trouver une excuse pour écrire un message. Alors celle-là, elle a une drôle de couleur. Couleur cacadois. Ouais, couleur cacadois. C'est très chelou. Oula. Les voitures, ils ont des bruits. Oh, c'est bien. C'est différents bruits. C'est un bruit par voiture, donc c'est plutôt marrant. C'est plutôt bien fait. Après, je dis ça, je sais pas. Je trouve qu'elles font un bobo. Hop. Je veux juste voir les finitions parce que... Oh, les pneus à flanc blanc, quoi. Oh la vache. C'est tellement kitsch. Oh la vache. Ah, c'est beau. Elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Je veux juste voir, mais vraiment voir les finitions qu'il y a sur cette voiture. Parce que je suis super curieux. Mais c'est surtout parce que j'ai beaucoup de temps. Parce que les épisodes de Burnout Paradise, ils durent très très longtemps. Surtout que là, on est mercredi après-midi et que j'ai beaucoup de temps devant moi. C'est très bien. Par contre, niveau upload, je vais en chier. Donc, finition 1. Ah, c'est gris métallisé, en fait. Ah. Ok. Oula, bleu. En fait, c'est des sortes... Oh, que c'est moche. C'est des sortes de tribales, en fait. Oh, c'est très joli comme ça. Lol. C'était très, très joli en noir. Métallisé, nacré, lustre. Ah, c'est très joli en noir, je trouve. Bleu et noir. Ce sont deux couleurs qui vont très bien ensemble. Oh, tu me diras, le bleu et le noir... Enfin, toutes les couleurs vives vont avec le noir. Oh, mais regardez-moi. Oh bah ça y est, j'ai trouvé la perfection. Allez, voilà, c'est fait. Allez, juste magnifique. Bon, faut trouver une séquence cascade. Hop là. Putain, mais il est sérieux, le mec, c'est un suicidaire. Oh putain. Ouais. Bah vous savez quoi, je viens de penser à un truc. Quand je chercherai l'autre là, la voiture de mafieux qu'on a eu tout à l'heure. Eh ben, je ferai les défis route. Prêt pour une séquence cascade ? Trouve les meilleurs endroits dans la ville, puis enchaîne dérapage, boost, saut, tonneau et vrille pour atteindre l'objectif dans les temps. Parce que justement, les défis route, quand tu les fais tous, tu gagnes une caisse. Mais c'est une version améliorée, pardon, d'une caisse que tu dois débloquer et ça serait un peu spoil de la débloquer tout de suite. Ah, j'aime bien ce jeu. Ah, ta. I've got a fucking idea, bitch. Oh, faut pas que je me rate. Attends. 4 x 5. Ah, ça fait 20. Vas-y, décale. Ah, ça fait 20. J'ai réussi. Et bim, dans ta face. Allez, voilà. Ça, c'est bon, ça. C'est très bon. 8 x 17. Ouais, bah, on a gagné, hein. Hop. Oh, sa maman. Sa maman.
Ah, puis comme ça. Ah, puis ça repart en plus. Ah, il me l'a compté. Il est gentil, il me l'a compté. Bon, on sort là. On aura d'autres occasions de d'y retourner de toute façon. Hop là. Sérieux, je l'avais pas vu. Ah putain, j'étais concentré pendant un moment, j'ai eu une absence d'un coup, puis j'avais pas vu le. La lutte. La lutte. Mais tout à l'heure où il nous a fait spawn là, c'était quoi en fait? C'était où? Enfin, j'ai pas vu. J'ai pas du tout. Ah bah c'était en face. La cœur. D'accord. J'essaie d'y aller. Ah, c'est la ligne de métro au-dessus. Le dérapage, j'ai dû raconter. Enfin, il est dur à comptabiliser. Ah, là, quand il se rend compte que c'est comment répétitif, il compte pas. Ben il compte que 5 quoi. Voilà 5. Hop là. Et ça y est. Donc voilà, là on est à l'autre bout du truc en fait. Hop là. Voilà. Vous savez quoi? Ah bah ben voilà. Bon voilà, voilà, tout simplement en fait. C'est ce que je voulais vous dire. Stop. Hop. Puis on gagne avec le jour qui se lève. C'est pas génial ça? Eh. Ah, je prends ma télécommande, mon téléphone, voilà. Parce que je suis au fond de mon fauteuil et je dois me plier en deux pour aller chercher tout ça. Oui. Mais c'est quoi cette musique? Oh, vous savez quoi? Fuck that. C'est beau un peu de musique. Alors les ateliers de peinture ne servent strictement à rien je trouve. Parce que si tu veux personnaliser ta voiture à ta façon, c'est complètement con parce que ça le fait de manière totalement aléatoire. Et j'aime pas. Enfin, c'est complètement. Je sais pas, c'est ridicule. Hop là. Voilà. Ça fait. Ça le fait pas par contre. Là par contre ça le fait pas, là on gère pas. Ça y va pas. Ok, Harbor Street. Ah merde. Ok. Harbor Street. Ah mais c'est la rue avec le. Ah bah allez, je le retente. Ah j'espère qu'il va être bon. Oh, j'ai passé à côté. Je suis pas déçu, je passe quand même. C'est bien que les IA mettent leur clignotant. Au moins tu vois, ça t'évite de cracher quoi. Toujours pas croisé l'autre Google. Ah wait. Regarde-toi. Chrono en ligne. What? Merde, je l'ai entendu. Regarde, il y a même une trace de lui là. Merde là. Attends, je vais essayer de faire la rue en entier, si voir s'il me compte. Hop là. Je pensais passer entre deux, mais non en fait. Là, c'est plutôt correct là. Ah là là, cette douceur, c'est. Oh, j'adore. I like it. Hop là. Voilà. Cette douceur. Un peu de sérénité dans ce monde de brut. Ah. Hop là, voilà. Donc, conclusion, il me l'a quand même compté.
Putain, mais il est où ce con? Chier. Merde, moi. Tu ne donnes pas de contenu. Putain, on se casse les couilles à le chercher. Smasher. Ah! Ah! J'ai défoncé la moitié des panneaux. Ça. Là. Passer à travers 200 portails jaunes. C'est sympa. Avec les panneaux jaunes. Ah. J'ai du mal à lire les trucs. Bon, vous savez quoi? Parking, parce que ça fait longtemps. Hop là. Oula, direct, comme ça. Alors, par où que je sors? Là où il y a un panneau jaune, c'est très intéressant. Oh. Quel joli moteur. Y a même, on voit même les fils pour les phares. Oh, voyons où c'est que ça mène, ça. Je sais pas où ça mène, mais j'y vais à donf. Ah, voilà. Ouh, toi. Ah, non, merde. Pardon, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Oh, mais merde, quoi. Où tu te caches, petite salope? Ah, c'est la rue que j'ai pas réussi tout à l'heure. Bah, attends, je vais prendre ma revanche, tu vois. Là. Elle est rigolote à conduire, cette voiture-là. Ah, sur le fil. Non. Ah, c'est Gun Street. Elle aurait commencé là, je l'aurais fait. Putain, mais... Je l'ai entendu tout à l'heure en plus. Génère. Oh là 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 là. Là. Mais non, mais... Putain. Sérieux, quoi. Oh là 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 là. Merde alors. Puis tu sais, ça va faire exactement comme la GT40 à la con, là. Je vais me la prendre en pleine face, ça va me faire peur et j'aurai l'air d'un kikou. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Ah, bon, on fuit une demi-tour, je pense. Ah, bon, il va me la réparer. De la tôle froissée, du verre brisé. Apparemment, il y a du redredge dans l'air. Fais bien gaffe dans ton rétro aux voitures qui roulent n'importe comment. Si t'en vois une, hésite pas à la pousser gentiment dehors de la route. Gentiment. Bien gentiment, t'es. J'ai pas vu si. Ah, voilà. Viens là. Viens là. C'est El Padre. C'est le Padre. Oh putain, merde. C'est El Padre. Allez. Et voilà. Carson and Bennett Grand Marais est disponible à la casse. Carson and Bennett Grand Marais. Ah bah ça tombe bien, on est juste à côté d'une casse. Voyons ça. Ouais, c'est une bagnole de mafieux en fait. Ouais, c'est une bagnole de mafieux. Tout simplement. Hein, hein. Hollywood, que par les barons de la mafia. Comme par hasard, je savais. T'as vu la gueule de la bagnole, sérieux? Bon, allez. Voyons ça. Celle-là, j'ai bien envie de la repeindre. Juste pour vraiment pour voir la couleur qu'elle aurait. Ce serait vraiment pas mal. Oh putain, le capot il est plié. Ah, un type agression enfin. Je vais pouvoir faire des road rage et puis des. Tout ce qui s'en suit. Alors on va faire un chelem. Dès que je débloque sa grande sœur, je vais faire un chelem. Grand chelem. Je vais me gêner. Il est mon micro, là. Je croyais que j'avais pas descendu en fait. Un peu lourde. Un peu beaucoup. Mais. 32 sur 35 parcours permis. Ah, il y a 35 voitures, on peut faire le parcours permis. Ah bah, attends. Dans le jeu, il y a 75 bagnoles. Environ. Ce qui nous fait
SIA 35 parcours burning. C'est qu'il y a 35 voitures d'origine. Et ouais, le calcul est vite fait. 35 et 35, ça fait 70. Et les 5 qui restent, ce sont des voitures collector. Genre défoncer tous les panneaux, passer à travers toutes les barrières, faire tous les défis routes, faire tous les crashs. Oh, la musique d'origine du jeu. Faire les parcours burning. Moi j'ai piloté 74 voitures dans ce jeu. Parce que j'ai pas fait tous les parcours burning, j'ai pas piloté la fameuse P12 Diamond. Qui est la voiture. En fait c'est simple, sur la P12, t'as tous les points. Vitesse, boost, puissance, tous les points. Normalement, d'après la légende, ils sont remplis. Tout est rempli. C'est la voiture ultime, c'est la voiture de Burnout. Et en plus d'être classe, enfin voilà quoi. Alors qu'est-ce qui bouge pas? C'est le rouge, ok. Donne-moi du vert, s'il te plaît. Donne-moi du vert. Ah, la voiture de vert. Ah. Oh, génial quoi. Génial. Allez, oh, avec la tête de mort en symbole comme ça, c'est génial. Hop là, allez, on y va. Bon, allez, parcours burning. Est-ce qu'il est loin? Quelle question. Allez, 7th Street. Ah putain, c'est juste là au coin. Bon, je vais finir 7th Street. 7th Street. Non, je vais finir 7th Street et puis après, voilà. Hop là. Ah, zouzou. Je m'emmerde toujours quand je fais des vidéos. J'ai toujours remarqué que à chaque fois que je faisais des vidéos, je recevais un SMS en fait. Je pouvais pas faire de vidéos sans recevoir de message. C'est rigolo, hein? Ouais. Bon, ça me dérange pas plus, mais bon, voilà quoi. Enfin, j'espère que ça vous dérange pas non plus. Bon. Ah ouais, c'est vraiment pas une voiture faite pour le cascade. Hein. Elle est vraiment lourde. Difficile à rattraper. Ah la vache, j'espère que son modèle amélioré sera mieux. J'espère. Hop. Ce saut là, normalement, j'ai déjà fait. Voilà. Stop. Hop là. Va au sud-est jusqu'à Wildcats Baseball Stadium. Oh bah c'est là. C'est là. On y va. Route avenue. Route. Oh. Ouais bon, comme tu veux. Allez. Ouais bah quand toutes les voitures dans le jeu, une fois lancées à pleine vitesse, ça se manie mais correctement quoi. Et à basse vitesse c'est un camion bordel et en haute vitesse c'est une F1 quoi. Il y a la patte clignotant. Ouh, ça fait mal. Oui, 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 oui. Ah par contre niveau réalisme... Ouais, j'ai pas le temps de faire des conneries. Niveau réalisme du crash, c'est vraiment bien, hein, parce qu'on voit bien la voiture se déformer, comme toutes les voitures du jeu, en fait. Mais avec son long capot, hein, ça renforce l'impression que ça se... Crac-cri-creux. Voilà. Vous m'aurez compris. 21 victoires. Tu as prouvé que tu étais rapide. Ta récompense, c'est une Carson and Bennett Grand Sicilian. Elle t'attend à la casse. Ouais, en fait, c'est exactement la même, sauf qu'on lui a tiré dessus, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Hop, la barrière qui est là. Voilà. Je dis beaucoup de fois le mot hop. Oh, yo, yo, mais regardez-moi ça, le capot qui est complètement... Oh, la vache. La boîte de conserve, quoi. Bah, tu risques pas d'être écrasé. Tu sais, quand tu conduis ce genre de bagnole et que tu prends un platane ou un mur ou un sanglier, ça fait mal un sanglier.
C'est pas des conneries, hein. Ça fait vraiment mal un sanglier. Et ben t'as le capot qui te protège, enfin t'as une marge d'écrasement entre guillemets qui fait que voilà quoi, enfin t'as l'airbag déjà d'une pour le choc. Et tu risques pas d'être écrasé quoi, parce que le moteur et tout ce qui est capot, tout ça, est déjà écrasé. Bon, après ta voiture elle est morte, mais bon, dans n'importe quel accident, ta voiture elle est morte. Par contre, si c'est un petit accrochage quand tu te gares, ta voiture elle est pas morte. Bon, alors voyons. T'inquiète, les balles n'ont rien abîmé d'important. Cette crapule sicilienne, sicilienne, ah d'accord, te fait passer n'importe quelle frontière avec son boost surpuissant. Frontière, tu te fous de ma gueule, on peut même pas sortir de Paradise City, donc où tu veux que j'aille? Oh putain. Oh la vache. Bah tu sais quoi, je vais la garder d'origine, de couleur d'origine. Parce que d'après mes souvenirs, elle doit être comme la Carson Fastback. Tu sais, c'est juste les reflets qui chantent. Bien, ça fait super bien quoi. En fait, tout ce qu'il y a de cassé sur cette voiture, c'est le capot, en fait. Ouais, c'est ça, hein. Ah, c'est ça, ouais. Alors... Stop. Ouais, c'est exactement ça. Et ils ont rajouté un petit phare, parce que comme les deux sont pétés, il y a un petit phare au cas où, parce que quand même, dans la nuit, tu peux pas conduire sans phare. Parce que la nuit, elle est quand même très, très réaliste dans le jeu. Voilà quoi. Ah c'est pas cool. Par contre le feu de recul à l'arrière il marche pas quoi. Ah tu me vois. Bon allez un petit road rage. Prêt pour le road rage. 4 takedowns. Contre d'autres pilotes. Malmène-les dans toute la ville et atteins l'objectif sans détruire ta voiture ou dépasser le temps pour avoir une note sur ton permis. En fait les épreuves ils ont tous le même objectif mais l'objectif change en fonction du permis de ta. Allez, non, on a... J'arrive à pleine vitesse, lui il va l'avoir dans le cul. Allez. Take down voiture, allez, voilà, c'est fait. Tac, allez, au revoir. Ah non, rien. Attends. Oh putain! Oh la limousine quoi! On aura tout vu avec les limousines. Alors ça a été les bus, les limousines, tout quoi, enfin. On peut plus quoi. Ce jeu, putain. Ce jeu. Allez. Ah Nagawak. Puis j'ai mon œil qui me gratte. Ah fais chier. Allez, accélère en gros. Allez, un dernier. Voilà, allez, dernier, au revoir. Alors je pense que. Hop, dès que l'objectif est atteint. Ah mais je vais m'arrêter madame. Dès que l'objectif est atteint, stopper les machines. Tu t'arrêtes. Et normalement. Voilà. Si tu veux pas perdre de temps, tu t'arrêtes et dès que ton objectif est rempli, tu t'arrêtes et ça va compter comme gagné quoi. Get la Montgomery Hyperion tout en roulant Freeburn dans Paradise City. Si tu la vois, fais-la s'arrêter pour l'ajouter à ta collection. Ok. Merde. Ah là. J'ai eu mon écran qui s'est coupé. Donc voilà. Alors ça c'est valable pour toutes les épreuves à chrono. J'ai pas encore essayé pour les séquences cascades, ça doit être pas mal, comme ça ça vous donnera moins de. Enfin moins de longueur de d'épreuve quoi. Enfin voilà, parce que à faire des cascades pendant 2 minutes et que t'as fini au bout de 10 secondes, voilà. Bon wait. Là il y a un road rage. Ah je viens d'en faire un. Là il y a un non il y a un oh merde je patauge, il y a une track, voilà, piouf. Soit on prend le plus près, on fait un road rage. Ouais tu me diras, ouais, 5 takedowns c'est largement faisable. Allons-y. Wait. Ah non, pas déjà. Ah non, non, pas déjà. Oh là 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 là. Je sens qu'on va la croiser sans faire exprès. Ça va être mignon. Hop.
Agro gros. Oh là là là, carcasse que c'est. Ah, j'ai déjà sauté au saut là. Il y a un défi Skiburn dur à réaliser. Là. Enfin, dur. Faut être avec des personnes intelligentes. Pourquoi je vais à la casse? Moi, je suis con. Et en plus, j'avais vu l'autre gogol. Ouais, bah, accepté. Enfin, voilà. Ah, bah, tiens, on va regarder un peu les. On va regarder un peu les finitions qui. Je pense que le seul truc qui va changer de couleur, ce sera la. À haute secours. Qu'est-ce que je disais? Donne-moi une route secours verte, ça va être marrant. Oh, 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 oh. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment mafieux en rouge et noir. Et l'autre gogol, je l'ai vu passer tout à l'heure, j'en suis sûr et certain. Je vais re-regarder le ralenti. Hein, en postant la vidéo, je vais re-regarder. Et je vais voir s'il est passé là. J'en suis sûr et certain, il est passé et je l'ai vu. Je l'ai vu, sûr et certain. Avant de rentrer dans la casse. Road Rage. Inflige des takedowns aux autres avant qu'ils ne détruisent ta voiture ou que le temps soit écoulé. Oh putain. Pour toute la ville et atteint l'objectif pour avoir une note sur ton permis. Comme. Je sais pas pourquoi je pense à ça, c'est complètement homophobe. Je suis en train de penser au prof dans South Park, qui est normalement homo. Et qui va à une manifestation et qui arrête pas de contre les homosexuels et qui dit allez on va casser du PD. Mais non, mais bon, South Park c'est complètement décalé, hein. faut avoir beaucoup de second degré pour regarder ça et beaucoup de conneries en soi, quoi. Mais voilà, enfin, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, casser du PD. Allez, on va casser du PD. Il l'a bien dit avec un air gay, quoi. Très très gay. De toute façon, ça se remarque. Enfin, il y en a, ça se remarque beaucoup. Et il y en a d'autres, ça se remarque pas. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Tant qu'il met pas sa santé en danger. Bon, je suis revenu en centre-ville et je vais m'arrêter là parce que j'en ai fait 5. Hop là. Oh là là, l'état des phares, quoi. Oh là là là. Ça n'a absolument aucun sens. Pas du tout. Allez, encore 19 victoires. Ouais. Oh la vache. Ah, une track, génial. Bah allons-y. J'aime dans cette ville, non. C'est que quand je veux, je peux faire se cracher ma voiture d'un bout à l'autre d'une rue. Et tu meurs. Et non seulement je me fais jamais arrêter, mais en plus on me donne un score showtime. C'est comme ça que ça se passe à Paradise City. Ça n'a complètement aucun sens. Parce que déjà, il n'y a pas de flic à Paradise City. Survivras-tu à ta traque? Tu es ici. Va à l'ouest jusqu'à Crystal Summit. Puis même, imaginez. Tout en évitant les pilotes qui veulent Burnout Paradise avec des flics. Avec des flics. Waouh. Ce serait hard quand même. Oh putain. Ça repart. Ce serait chelou quand même. Burnout Paradise avec des flics. Mais genre pas des flics. Des Crown Victoria là, con, des trucs comme ça. Ah, non. Les mêmes voitures qu'on a, mais version flic. De toute façon, il y en a, hein. Y a le DLC Cops and Robbers. Ah, ouais, ça serait bien ça. Puis quand t'achètes le DLC Cops and Robbers, et ben ce que tu peux faire, c'est te faire passer pour un flic et pas avoir la comment le risque de te faire arrêter par un flic. Ah, ça serait pas mal ça. Mais bon, ça serait vachement casse-couille, t'imagines, t'es en libre. Burnout Paradise. Et t'as un flic qui vient de faire chier. Ouais, d'un côté, ça serait vraiment bizarre. Mais d'un autre côté, ça serait bien. Oh putain! Ce serait rigolo. Ouais, c'est quelque chose à faire. Après ça, ce genre de délire, tu peux le faire en mode online. En mode online. Oh, j'arrête de garder.
Ah, j'ai plus de carénage de ce côté-là. Ça fait bizarre. Mais bouge! Ah putain. Je vais m'en prendre une. Oh là 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 là. Bonne main capable. C'est Crystal Shinmi. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de sortir de la route quoi? Passer dans un garage. Oh mon fou. Je vais aller jusqu'au bout. Le mec, il roule sur trois roues et demie. Et il a plus qu'un pot quoi. Ah, zeu. Temps écoulé. Ah ok. Donc ça sera une belle fin. Enfin une fin chelou quoi. Dégâts critiques. Ouais, si je me crache. Ouais bah je me suis plus craché que fait take down quoi. Ouais. Hop. Putain, y a même pas de clignotant quoi. Quel effet. Tu sais, la moitié des voitures dans Burnout Paradise ne passent pas au contrôle technique. Heureusement qu'il n'y en a pas de contrôle technique dans le jeu. Ce serait complètement con. Allez, terminé. Je finis sur 3 roues ou 3 roues et demi. Avec un moteur qui tourne avec le carter enlevé, carrément. Les airbags, il n'y en a même pas. Il n'y a même pas de chauffeur. Oh là 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 là. Bah allez, tu sais quoi? YOLO. Ah, ce serait tellement beau si ce serait réussi. Oh oui! Oh oui! Oh putain! Ah, c'était beau. C'était par le Sudden Edge. Ah, il me l'avait pas compté. Ah, ben, là, pas. Oh merde! Oh, ce fail! Hop, voilà. Hop là! Oh putain! Oh putain! Et voilà, bon, on est arrivé là! Oh, j'en peux plus! Allez, je vous préviens, là, le truc super con, je m'arrête là, puis je vois l'autre salope passer. Ah putain! Bon, allez! Moi, je vous dis à la prochaine, les amis, c'était un long épisode. Plein de bisous, plein d'amour, tout ce que vous voulez, puis voilà quoi! Allez, ciao tout le monde!